Les fréquences des micro-ondes et des ondes radio pointent vers Ace Chemicals. C'est là que l'épouvantail produit sa toxine. Jim, la toxine provient d'Ace Chemicals. C'est là-bas qu'on trouvera les détails. Impossible. J'ai posté toute une équipe sur place dès le début de l'évacuation, comme vous l'aviez demandé. Crane les a sûrement corrompus. Ou pire encore. Je suis dans le secteur, je rassemble mes hommes et j'arrive. Restez où vous êtes et attendez-moi, Jim. J'arrive. Des nouvelles de l'intérieur? Non, rien. On pense qu'il reste une petite équipe là-dedans, mais ils ne répondent pas et le bâtiment est condamné. S'ils sont encore en vie, je les trouverai. Ils devraient pouvoir nous renseigner sur l'épouvantail. Nom d'un chien! Il faut d'abord que j'examine le complexe. Qui héberge des soldats portant le même insigne. Concernant leur commandant, c'est le flou total. Les différentes sources ne s'accordent que sur son nom, le chevalier d'Arkham. Il y a autre chose. Chaco. Il y a un... Il y a 5 soldats, tous armés et dangereux. Avant de pouvoir accéder au terminal, je vais devoir les neutraliser. À votre demande, j'ai créé une série de simulations de diagnostic. 30 minutes. Ça a commencé. On dirait bien, oui. Ah, c'est la partie que je préfère. Prendre les gens par surprise. Avec les hélicos qui envahissent l'horizon et qui viennent réduire la cible en charpie. Alors pourquoi t'es pas dans l'un des hélicos? J'ai mal digéré un truc l'autre soir. Ces foutues rations. Je me sens encore un peu mal. C'est dommage. Ouais, c'est l'opération du siècle et je suis coincé sous la pluie dans une usine chimique à lutter pour pas vomir. D'après les opérations, Batman pourrait venir par ici. On pourra peut-être s'amuser. Et on serait les gars qui l'ont tué. Donc les masques ne filtrent pas la toxine de l'épouvantail. Non, et on n'a pas le temps non plus de sortir de la zone contaminée. Merci, c'est super rassurant. Il est dans le sol! Baissez le nez! Batman, vous ferez des commandes de pression! Cible au bouton! Venez vers moi! Oh!
cible perdue. Dispersion. Je vérifie s'il y a des pertes. Je peux accéder au terminal sans risque. Voyons si Oracle avait raison. Oracle, j'ai obtenu les identifiants. Si je prends de la hauteur, je pourrais utiliser le bat scanner pour trouver les ouvriers. Ok, je vous ai indiqué la structure la plus haute de la zone. Attention à la chute. C'est parfait. Je peux utiliser le bat scanner pour chercher les employés. J'ai pu intercepter des communications entre l'épouvantail et son chevalier d'Arkham. Je vous les transmets. Je l'avais dans ma vie de mire. Je n'aurais pu en finir. Nous ne l'avons pas encore brisé. Ça viendra. Non, j'ai assez attendu. Batman va mourir. Ce soir. Pourquoi tu le détestes autant? Tu ne pourrais pas comprendre. Tu auras bientôt ta revanche. Il vit sa dernière nuit. Je m'en assurerai. Vous savez qui est ce chevalier d'Arkham? On dirait que vous avez un passif avec lui. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Oracle, ils ont tué l'un des ouvres. Bon sang. Mais... La porte est ouverte. Je peux faire entrer la voiture. La porte principale est ouverte. Soyez prêts. Un tank à $1 milliard se dirige vers vous. On a déployé un Diamondback dans la cour principale, chef. On l'aura. Il faut reconnaître qu'ils sont optimistes. Votre canon 60 mm va perforer ces unités blindées, mais il faudra quelques tirs directs pour les détruire. C'est quoi cette histoire? Commissaire, comment est-ce qu'il fait ça? C'est Batman, les gars. J'ai appris à ne plus me poser ces questions.
otages, comme vous disiez. Ce qu'ils cherchent, c'est les otages. Limitez les conversations radio au minimum, compris? Ils vous écoutent. Je suis sûr que tu nous écoutes, pas vrai, Batman? Alors écoute un peu ça. À toutes les unités implantées à Gotham, l'opération Sauveur a commencé. Vous connaissez tous votre rôle. Alors déployez-vous dans cette foutue ville et bouclez-la. Je veux que nos mains enserrent fermement la gorge de Gotham dans une heure. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. S'il vous plaît. Vous savez pas tout, Batman. L'épouvantail, il était... Calmez-vous, et dites-moi ce que vous savez. Ça fait des heures qu'ils contrôlent l'usine. Ils ont rentré des camions. C'est grave. Où je peux... Vous avez trouvé l'épouvantail? Pas encore. C'est pire que prévu. Comment ça pourrait être pire? Il construit une bombe assez puissante pour envelopper toute la côte Est dans sa toxine de terreur. Partez d'ici avec vos hommes. Rentrez au GCPD et verrouillez le bâtiment. Personne ne doit sortir. Je vais dire à mes hommes de se mettre à l'abri, mais je ne bougerai pas. Amenez-moi tous ceux que vous trouverez. Jim, non, c'est trop dangereux. Vous l'arrêterez. Je vous fais confiance. Tenez bon, je vous ramène au commissaire Gordon. Maître Bruce, les tanks de la milice sont partout dans la ville. Gotham est occupé. Si je n'arrête pas la bombe de l'épouvantail, il n'y aura plus de ville à sauver. Bien joué. Je savais que vous ne nous laisseriez pas tomber. C'est pas encore fini, Jim. Je retourne chercher les autres. Thank you.
faut que je place la voiture dans cette zone pour pouvoir l'utiliser. L'offensive dépasse nos prévisions. Il n'a pas changé. Oh non, c'est pas vrai. Il a détruit les tanks. Hé, hey, t'en fais pas, on en a d'autres. Ouais, mais pas ici. Pas à cet instant même. Mais ici, t'es pas ici. Je trouve un moyen de couper le gaz. Il est toxique. C'est le deuxième ouvrier assassiné. J'aurais dû empêcher ça. Là, ça peut être... Non. Vous ne devriez pas être aussi dur avec Tim. Il veut seulement aider. Ne vous laissez pas influencer. Vous croyez peut-être que j'ai envie qu'il risque sa peau. Je préférerais qu'il reste en dehors de ça. Mais il pourrait vous aider. Si Robin n'arrive pas à sauver ces gens, les répercussions seront tout aussi dangereuses que la bombe de l'épouvantail. Ça fait 3 morts. Ces monstres vont le payer cher. On les arrêtera. Comme toujours, pas vrai? Thank you.
L'ascenseur ne monte plus haut que ça. Vous êtes sauvés. C'est trop tard. On est tous condamnés. Où est-il? Apparemment. J'ai vu ce... Jim, j'ai sauvé le deuxième ouvrier. Je vous le ramène. Et l'épouvantail? Il est dans la... C'est aussi. Encore. Ah non, on est coincé. Ça marche. Comment vous avez fait? Oh, et puis, peu importe, je suis juste soulagé de pouvoir sortir de là. Alfred. J'ai vu, monsieur. Les analyses initiales indiquent que l'appareil est vide et que les contrôles sont distants. Il déverrouille les armes létales. Par la bombe dans la chambre de mélange centrale. Il me faut un moment. Ces deux-là ont eu de la chance. Les forces de l'épouvantail ont assassiné les autres ouvriers. Salaud. Emmenez-les au GCPD, mais...